Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Rendez-vous de la littérature. Ce soir, j'ai à mes côtés Victoire, bonsoir à tous. Fidèle au poste, et le taulier, monsieur Pierre de Tirmont. Bonsoir à tous. Voilà, Pierre de Tirmont qui, comme vous le savez, est issu d'une haute lignée de la noblesse française, et qui malgré tout, est là avec nous de semaine en semaine. Alors ce soir, nous allons parler d'un roman qui m'a profondément marqué, qui est Le mystère de la chambre jaune. Nous allons en parler avec le champion olympique, n'est-ce pas, de la critique littéraire sur Internet, à savoir monsieur Jonathan Sturel. Mais avant cela, je vais faire donc les annonces habituelles et je vais faire une petite mise au point sur un sujet qui est important. Voilà. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller faire un tour à la librairie française pour acheter vos bons bouquins. La librairie française est 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e, métro La Motte-Piquet ou Duplex. Ensuite, si vous voulez acheter un ouvrage d'essence catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Le collectif Saint-Robert-Bellarmin fait un excellent travail. Ils ont fait un ouvrage en 2018 qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire », qui est l'ouvrage le plus accessible, je dirais, sur la question de ce qu'on appelle à tort, je dirais, la crise de l'Église, sur ce qui est en vérité la passion de l'Église. Et d'ailleurs, cet ouvrage, « 60 ans de religion conciliaire », a fait l'objet, très récemment, là, il y a quelques jours seulement, d'une réédition. Voilà. Donc l'ouvrage est vraiment copieux maintenant. Et j'invite les personnes qui veulent y voir clair sur cette question à se procurer ce livre. Et je touche 0 centime dessus, bien entendu. Et le collectif avait aussi traduit un ouvrage extrêmement important de Rouma Kumaraswamy sur la question de la validité des nouveaux sacrements conciliaires, qui sont bien entendu invalides. Voilà. Donc, allez faire un tour sur le site du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Ce sont des gens bien qui combattent pour la cause. Donc, il faut les aider. Ensuite, je rappelle qu'il y a une nouvelle politique YouTube d'invisibilisation des bonnes idées. Donc pour lutter contre ça, il est important que vous cliquiez, n'est-ce pas, hein, que vous likez, que vous partagiez. Donc vous trouverez en description toute une liste de chaînes YouTube à aider. Donc je vous demande de mettre des pouces bleus, de cliquer, je ne sais plus quoi. De partager, etc. Alors, quelles sont ces chaînes YouTube? Eh bien, vous trouvez celle de notre ami Jean-Noël, hein, qui s'appelle Galia Notre Histoire. Vous trouvez Radio Regina, qui est une radio catholique. Vous trouvez la vidéo du collectif Saint-Robert-Bellarmin, qui s'appelle CSRB Diffusion, hein, qui notamment reprend parfois des extraits, d'ailleurs, de nos émissions. Il y a la fameuse chaîne Saint-Pie V. C'est notamment sur cette chaîne que vous trouvez la conférence que j'ai faite sur Congar, la conférence que j'ai faite sur Maritain et le Cardinal Pi. Voilà, donc allez vous abonner à la chaîne Saint-Pie V, qui est vraiment du 100% qualité, hein, enfin, vraiment. Hein. Et ensuite, je vais faire de la pub pour une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui est une chaîne de qualité, qui s'appelle Femme à part. C'est une chaîne qui est reliée à un blog, d'ailleurs, qui porte ce nom-là. Et c'est un site qui est tenu par une ou plusieurs femmes et qui traite justement des questions de la féminité sous le prisme du catholicisme. Donc là, nous allons par exemple relayer une conférence qui a été faite sur la chaîne, alors pour le coup qui a été faite sur la chaîne Saint-Pie V, qui s'appelle « Féminité, un moyen d'apostolat ». Mais on va mettre aussi par ailleurs, M. Pierre de Tirmont, une conférence sur l'habillement, je crois, donc qui elle est à proprement parler sur le site, enfin sur la chaîne YouTube pardon, Femme à part. Donc c'est tenu donc par une femme. C'est une réplique saine, je dirais, au féminisme. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien au cerveau. Voilà. Alors ensuite promotion. Monsieur Pierre de Tirmont, nous l'avons évoqué il y a 2 semaines. Le 21 mars prochain, donc c'est demain, hein, se tiendra la fête des amis d'Alain Pascal. Donc, est-ce que vous pouvez remettre, M. Pierre de Tirmont, l'affiche? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse? Parce que moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, c'est le 4 rue Brémontier,
Paris 17e, métro 4 Wagram. Rue Bréhontier, Paris 17e, métro 20 grammes. Donc, la fête des amis d'Alain Pascal, c'est une réunion d'auteurs. Bah, y a Alain Pascal, il y a votre serviteur, il y a Pierre Joly, il y a Paul-Étienne Pierrecourt, pour ne citer que. Mais en fait, il y aura à peu près une dizaine d'auteurs, peut-être même un peu plus. Donc, sur l'affiche que M. Pierre Thiermont vous a mis, vous aurez la liste des auteurs, liste qui est d'ailleurs peut-être incomplète. Et voilà, donc si vous voulez voir des gens normaux, et si vous voulez voir des auteurs normaux, eh bien, ma foi, n'hésitez pas à nous rejoindre donc ce 21 mars à la fête des amis d'Alain Pascal. Ensuite, lors de notre dernière émission, j'ai fait une analyse de la dernière pitrerie, du dernier gag, parce que ce sont des gags, hein, les textes de Bergoglio. Donc j'ai fait une analyse du dernier gag de Bergoglio qui s'appelle « Querida Amazonia » et qui est censé être une exhortation apostolique. Je mets beaucoup de guillemets. Suite à cela, un certain nombre de conciliaires ont pété un câble, hein, faut le dire, hein, enfin, ont pas apprécié. Parce que j'ai relevé des hérésies. Pour relever les hérésies, il suffit de savoir lire, hein, au bout d'un moment, quoi. Bon. Et donc, suite à cela, un youtubeur conciliaire qui officie sous le nom d'Archie a fait un texte où il me répond. Voilà. Donc, je lui ai à mon tour porté la réplique, point par point, dans un long texte qui fait 12 pages A4. Et que vous trouverez sur le site du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Donc le lien est mis en description par M. Pierre-Thiermont. Et ce site, vous pouvez le trouver aussi, enfin ce site que dis-je, ce texte, vous pouvez aussi le trouver sur le site Fide Catholica. Voilà. Et puis au passage, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur les catalogues des éditions Altitude, dont M. Pierre-Thiermont a mis également le lien. Mais je reviens à mon texte. Donc ce cher Archie me porte la contradiction. Alors, je ne vais pas reprendre tout le texte ici, ça serait vraiment beaucoup trop long. Et puis, pour la précision, je dirais, de l'argumentation, il faut le lire. Hein, parce que, sur des questions théologiques comme ça, il y a un besoin de précision qui est très important. Et l'idéal, c'est de le lire. Hein, c'est d'aller au texte, de faire texte contre texte. D'ailleurs, en justice, c'est comme ça que ça se produit. Hein, c'est conclusion contre conclusion, et ensuite il y a plaidoirie. Mais le juge tranche surtout à partir des conclusions. Bon. Bref, donc ce cher Archie nous répond, enfin me répond, sans me citer, mais bon, c'est à moi qui parle, puisqu'il reprend mes arguments. Bon. Alors, qu'est-ce que j'oppose notamment à Archie? Alors tout d'abord, un point qui ne concerne pas à proprement parler le fond, mais plutôt la forme. En fait, ce cher Archie accuse donc les catholiques, je ne précise plus nanunakum, parce que je ne vois pas comment on peut être catholique en étant en communion avec des adorateurs de Pachamama. Et d'ailleurs, ce cher Archie qualifie les catholiques de schismatiques. Et il juge leur fort interne. Alors pour les non-catholiques qui nous suivent, je fais savoir que juger du fort interne, c'est un péché, c'est un péché grave. Donc, notre cher Archie écrit ceci. Les schismatiques démontrent encore leur malhonnêteté intellectuelle, donc je suis intellectuellement malhonnête, hein, selon Archie, et leur promotion du péché grave de jugement téméraire en choisissant volontairement des compréhensions absurdes du texte. Alors, mon cher Archie, pour relever des hérésies dans le texte, il n'y a pas besoin de faire des interprétations absurdes. Il suffit d'attribuer aux mots leur sens. D'ailleurs, c'est ça qui est génial avec Bergoglio, c'est que c'est explicite. Donc, dédicace à Bergoglio de ce point de vue-là. Bon. Ensuite, mon cher Archie, sache que depuis mon émission, qui était, je crois, le 17 février, ou un truc dans le genre, eh bien, des conciliaires se sont élevés contre ce texte, et notamment un conciliaire très connu, M. Athanasius Schneider, évêque, lol, d'Astana, mais qui est un homme, je crois, de bonne volonté, et qui veut vraiment faire le bien. Vous retrouvez le texte que Athanasius Schneider a écrit sur Querida Amazonia sur le site de Mme Jeanne Smith. Et que nous dit ce cher Athanasius Schneider ? Eh bien, il nous dit la même chose que moi. Il nous dit que Querida Amazonia contient, je cite, des dangereuses tendances idéologiques. Citation de l'intéressé. Par exemple, l'approbation implicite d'une spiritualité panthéiste et païenne. Alors, c'est pas implicite, M. Schneider, hein, c'est explicite, hein, mais bon. Donc, l'approbation implicite d'une spiritualité panthéiste et païenne par Querida Amazonia est très problématique. Lorsqu'elle parle de la terre matérielle comme, point numéro 5, d'un mystère sacré, de l'entrée en communion avec la nature, point 56,
Nous entrons en communion avec la forêt. Et tu dis rentrer en communion avec la forêt, Victoire ? Non, je ne crois pas, mais c'est normal, rassure-toi. Du biome amazonien comme lieu théologique. Athanase Schneider poursuit. L'affirmation selon laquelle le fleuve Amazone est l'éternité cachée. Celle-là, je l'avais loupée. Et, citation, que seule la poésie, avec sa voix humble, pourra sauver le monde. Point 46. Celle-là aussi, je l'avais loupée. Donc, selon les conciliaires, seule la poésie peut sauver le monde. Formidable. Dédicace à vous, les conciliaires. Donc, il nous dit que tout ça se rapproche, citation, hein, tout ça se rapproche du panthéisme et du paganisme. Athanase Schneider conclut ainsi, un chrétien ne peut souscrire à de telles idées et expressions. Alors moi, je pose la question à M. Archi et à M. Dumouche, allez-vous faire des vidéos contre Athanase Schneider, qui est votre supérieur théoriquement et à qui vous devez obéissance théoriquement? Allez-vous faire des vidéos pour dénoncer ces interprétations absurdes qu'il fait de Querida Amazonia? Mon petit doigt me dit que non. Et là, je parle de Schneider, mais demain, peut-être, ça sera Burke et Vigano. Hein. Bon. Bref, tout ça est grotesque. Alors, Archie prétend s'inspirer du magistère de l'Église. Alors, je vais lui faire deux citations du magistère de l'Église pour qu'à l'avenir, il évite de pécher à nouveau lui-même par jugement téméraire. Parce que Archie est dans l'inversion accusatoire, parce qu'il nous accuse de faire des jugements téméraires, alors que c'est lui qui juge de nos intentions. Moi, je ne juge pas les intentions d'Archie ou de M. Dumouche. J'estime qu'ils se trompent, mais je ne juge pas leurs intentions. Bon. Alors, deux citations pour Archie. La première est de Léon XIII, donc c'est une citation infaillible, issue de Apostolica Curae, lettre apostolique du 18 septembre 1896. Citation de Léon XIII, que j'avais d'ailleurs opposée à l'abbé Chautard de la Fraternité Saint-Pie dans une émission il y a quelques mois. La pensée ou l'intention en tant que telle est une chose intérieure, et donc elle ne tombe pas sous le jugement de l'Église. Ensuite, citation de Saint Pidis, issue de sa célèbre encyclique contre le modernisme Pascendi, Dominici Gregis, donc au sujet des modernistes, mettant leurs attentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu. Donc, mon cher Archie, le jugement des intentions, écoute Saint Pidis, le jugement des intentions est réservé à Dieu. Il n'est pas réservé à Archie. Voilà, donc, pour le salut de ton âme, je t'invite à arrêter d'insulter les catholiques dans tes émissions et de dire qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils font des soi-disant des interprétations volontaires, etc. Surtout que quand on lit mon texte, dans lequel je te réponds, on se demande qui fait les contorsions et les pirouettes intellectuelles. Hein. Bon. Alors, mon cher Archie, aussi, sur le fond, qu'est-ce que je t'ai opposé sur le fond ? Très rapidement. Je note que Archie, pour me répondre, soit retire au mot le sens que l'Église leur donne, soit Archie retire au mot le sens que le dictionnaire leur donne, ce qui est encore plus inquiétant. Et je vous donne un exemple. Par exemple, notre cher Archie nous dit que l'univers matériel, Bergoglio emploie la formule à deux reprises d'univers matériel, au point 74 de Querida Amazonia. Vous pouvez vérifier ça en quelques clics. Bon. Archie nous dit que univers matériel veut dire humanité. Alors là, je mets au défi n'importe qui de trouver un dictionnaire qui vous dira que univers matériel peut être un synonyme ou un signifiant de l'humanité. Mais ce qui est encore plus fort là-dedans, c'est que Querida Amazonia et avant Laudato Si, qui était une encyclique, donc théoriquement infaillible en matière de foi et de mœurs, hein, parle d'écologie, de la planète Terre, de la nature, de la création animale, de la création végétale. Donc il n'y a aucun doute quant au fait que la question de l'univers matériel évoque, je dirais, la sphère spatiale, la sphère géographique. Bon. Mais il y a encore plus fort, c'est que Bergoglio, comme je vous l'ai dit, utilise deux fois cette formule. Et le sens de la formule, comme vous allez le voir, est le sens, je dirais, littéral et basique. Bon. Donc, point 74 de Querida Amazonia. Bergoglio nous dit ceci. De même, la relation avec Jésus-Christ, Dieu et vrai homme, libérateur et rédempteur, n'est pas contraire à cette vision fortement cosmique. Donc là, Bergoglio est quand même en train de vous dire que Jésus-Christ n'est pas contraire à la déesse terre-mère Pachamama, ce qui est quand même du très lourd. Hein. Bon. Donc, vrai Dieu et vrai homme, libérateur et rédempteur, n'est pas contraire à cette vision du monde fortement cosmique qui caractérise ses peuples, donc les peuples autochtones d'Amazonie. Parce qu'il est aussi le ressuscité qui pénètre toute chose. Et là, on y arrive. Pour l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel,
trouvent leur vrai sens dans le verbe incarné. Parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Et Bergoglio poursuit, et c'est là où il nous dit, en parlant du Christ, il est glorieux et mystérieusement présent dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons, dans le vent, etc. Il est évident que l'univers matériel renvoie à la création, ou à une partie de la création. Mais mon contradicteur me dit, non, ça veut dire humanité. Donc j'invite vraiment les gens à aller lire le point 74 de Querida Amazonia, et les gens me diront si ça a un sens de mettre le mot humanité dans, de considérer que cette formule d'univers matériel renvoie à l'humanité. Donc, ce qui voudrait dire donc que univers matériel a un sens au début de la phrase, mais qu'à la fin de la phrase, il aura un sens différent. Voilà. Donc, j'invite les gens à voir si ça a un sens de remplacer le mot univers matériel par humanité dans cette phrase. Ensuite, je note que notre cher Archie ne comprend pas en fait la portée du texte, puisqu'il il nous dit l'Église a toujours validé le fait qu'on conserve les bons éléments dans les civilisations païennes qui sont compatibles avec la foi. Archie, j'avais cité un texte de Saint-Pédis qui le disait l'autre jour. Mais c'est pas ça que nous dit Bergoglio dans ce texte. Bergoglio va plus loin. Bergoglio ne dit pas qu'il faut conserver ce qu'il y a de bon. Bergoglio nous dit qu'on peut conserver ce qu'il y a de mauvais. D'où le fait qu'ils nous disent que la mystique panthéiste et cosmique des Amazoniens est compatible avec la foi catholique. D'où le fait qu'ils nous disent qu'on peut utiliser Pachamama. Voilà. Donc, si pour vous, messieurs les conciliaires, on peut continuer à introniser des démons, parce que les dieux des païens sont des démons, psaume 96, verset 5. Si, selon vous, on peut continuer à introniser des démons dans les églises, faites votre vie. Mais ça n'a rien à voir avec l'église. Hein. Et pour votre salut, c'est pas recommandé. Et d'ailleurs, puisque ma voix ne fait pas autorité auprès de vous, messieurs les conciliaires, eh bien, allez lire le texte de M. Athanasius Schneider sur le site de Jan Smith, qui fait des analyses qui me rejoignent totalement sur ces questions-là. Et il évoque bien qu'il n'est pas possible, contrairement à ce que nous dit Bergoglio, d'utiliser des idoles païennes comme Pachamama, qui sont des démons et qui n'ont rien à faire, je m'auto-censure, dans une église. Alors, pour terminer, j'ai eu un petit sourire, mon cher Archie. J'ai vu un de tes commentaires, je pense que ça devait être sur une vidéo d'Arnaud Dumouche, où tu te revendiques de l'abbé Bernard Lucien. J'ai eu un petit sourire, mon cher Archie, pourquoi ? Est-ce que tu sais qui est l'abbé Bernard Lucien ? Est-ce que tu connais son CV ? Est-ce que tu connais son parcours ? Bon. L'abbé Bernard Lucien a été un des inspirateurs de la thèse dite de Cassis Iacum, portée principalement par Mgr Gérard Delaurier. La thèse de Cassis Iacum, c'est une thèse qui apporte son explication, je dirais, sur la vacance du siège. Et c'est une thèse à laquelle adhèrent certains catholiques nonacum. Bon. Donc l'abbé Lucien a été un des principaux inspirateurs et théoriciens et zélateurs de la thèse de Cassis Iacum. Alors par la suite, l'abbé Lucien s'est rallié à la secte conciliaire. Je le déplore. Mais l'abbé Lucien a écrit des livres de théologie par la suite. Et dans ces livres de théologie, alors je ne les ai pas lus, hein, je le dis très sincèrement, mais dans ces livres, l'abbé Lucien continue à faire référence à Mgr Gérard Delaurier. Voilà. Donc, la prochaine fois que tu vois l'abbé Lucien, si tu le connais personnellement, mon cher Archie, eh ben, tu lui demanderas si on peut continuer à vomir sur Mgr Gérard Delaurier. Voilà, Mgr Gérard Delaurier est comme tout le monde, hein, il peut être critiqué, il est critiquable, mais il a contribué à sauver le magistère, il a contribué à sauver le sacerdoce. Voilà, donc ça, on ne lui retirera pas. Voilà, donc demande à l'abbé Lucien, en fait, monsieur l'abbé. Alors, l'abbé Lucien est un prêtre validement ordonné. Je crois que c'est Mgr Lefebvre qui l'a ordonné. Donc j'invite tous les conciliaires qui veulent se confesser à aller se confesser à des clercs comme l'abbé Lucien, parce que les clercs ordonnés avec le rite Paul VI ne sont pas valides, ce ne sont pas des clercs. Ils n'ont pas plus de capacité à confesser que M. Pierre-Timon et moi-même. Donc, que disais-je ? Donc, la prochaine fois, donc, que mon cher Archie, que tu vas voir l'abbé Lucien, tu lui demandes, et en fait, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de Mgr Gérard ? Et on verra si lui aussi vomit sur ce que tu appelles, toi, les schismatiques, qui sont en fait quasiment les derniers catholiques. Bon. Qui sont même quasiment... Ouais, les derniers catholiques, on peut le dire. Parce qu'à l'heure de Pachamama, et là, dédicace à la fraternité Saint-Pédis aussi, quand on est en communion avec la secte conciliaire et la secte Pachamama, faut quand même
commencer à se poser des questions. Hein ? Quand même, comme dirait l'autre. Alors donc, mon cher Archie, si tu veux qu'on débatte sur ta chaîne YouTube, moi j'ai aucun souci. Et ça serait avec grand plaisir, je pense, que ton public me découvrirait. Et donc, si tu veux qu'on débatte sur ta chaîne YouTube, moi j'ai aucun problème. Franchement, je vais débattre normalement dans le mois qui arrive, dans le mois qui suit, avec Monsieur Dumouche. Donc, si tu veux qu'on débatte ensemble, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, on peut débattre, vraiment, je le ferai avec grand plaisir. Et si tu peux d'ailleurs informer l'abbé Lucien de mes travaux, ça sera aussi avec un grand plaisir. Alors ensuite, mon cher Archie, je te fais une proposition de vidéo, parce que tu fais beaucoup de vidéos. Donc moi, il y a un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est le suivant. C'est un sujet que je te soumets, tu le fais, tu le fais pas, c'est comme tu veux, tu es souverain. Osiris, le dieu Osiris, donc enfin le dieu, le démon Osiris, est-il une préfiguration de Jésus-Christ? Et la déesse égyptienne, entre guillemets, donc Isis, est-elle une préfiguration de la Vierge Marie? Parce qu'il y a des gens sur YouTube qui racontent ça en ce moment. Donc moi, j'aimerais avoir l'avis d'Archie. Qu'est-ce que tu penses de ça, Archie? Selon toi, Osiris est-il une préfiguration du Christ? Et selon toi, Isis est-elle une préfiguration de la Sainte Vierge? Voilà. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Et alors donc, pour terminer, je citerai cette punchline de Bergoglio, qui est officiellement une vérité en matière de foi. Hein. Seule la poésie, avec sa voix humble, pourra sauver le monde. Querida Amazonia, point 46. Et moi, je commente en mettant MDR. Voilà. Parce que je ne crois pas que Saint-Pierre, Saint-Pie-X, Léon XIII, Urbain V, aurait pondu, enfin Saint-Pie V, Urbain II, aurait pondu de telles niaiseries qui n'ont rien à voir avec la foi catholique. Querida Amazonia, plus la gnose, plus le panthéisme, ça n'a rien à voir avec la foi. Si vous ne vous en rendez pas compte, messieurs les conciliaires, c'est que vraiment, vous avez été travaillé dans tous les sens. Voilà. Alors, ma chère Victoire, avons-nous des questions ou des dons? On a une question, mais qui n'a rien à voir avec le sujet précédent. Une question d'Anthony qui demande à quand une émission sur Brasillac. Ah ah ah, Anthony a des dons, transsuicides, puisqu'on va peut-être en faire une bientôt avec Jonathan Sturel. Alors pas tout de suite, mais on va dire pendant ce printemps. Voilà. C'est tout pour l'instant. Alors, il n'y a pas de bif là? Ils font ras les internautes? Les gens attendent Jonathan. Voilà, bah oui, ils attendent Jonathan Sturel. Bah écoutez, alors, on va y arriver. Je prends juste un petit verre d'eau. Donc nous allons parler du mystère de la chambre jaune. Donc le mystère de la chambre jaune, je crois que c'est vraiment le premier roman qui dans ma vie m'a vraiment accroché et qui m'a permis de mettre un pied dans la littérature. Je parle d'ailleurs de ce roman dans la préface que j'ai faite aux aventures de Dupin, donc que vous pouvez trouver sur le site des éditions Altitude, où j'évoque l'importance qu'a eu ce roman pour moi. Le mystère de la chambre jaune a une suite qui s'appelle Le parfum de la dame en noir. Le parfum de la dame en noir est moins connu que le mystère de la chambre jaune, mais je vous le dis en termes d'intrigue, il est supérieur au parfum de la dame en noir. Au mystère de la chambre jaune, pardon. Le parfum de la dame en noir, c'est le chef-d'œuvre absolu en matière policière. Donc vraiment, allez lire les deux, le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir. Et je pense qu'un jour, nous ferons aussi, ce soir, une émission consacrée au parfum de la dame en noir. Bref, appelons notre ami Jonathan. Est-ce que vous m'entendez, Jonathan? Bonsoir, oui, moi je vous entends. Impeccable, impeccable. Alors avant de commencer, mon cher Jonathan, j'aimerais avoir le mot final. Et ce mot final vous appartient. Il y a une rumeur. Vous allez confirmer ou infirmer? Oui. Il paraîtrait... Je confirme. ...qu'on vous appelle l'OVNI. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est des choses qui sont arrivées, oui, c'est vrai. On vous appelle l'OVNI, donc, hein? On est d'accord. J'ai jamais su pourquoi, mais c'est vrai. Bah c'est grâce, moi je sais, moi c'est grâce à la qualité de vos interventions sur Radio Athéna. Voilà pourquoi on vous appelle l'OVNI. Je suis l'OVNI, oui, c'est ça. Ou alors c'est grâce à votre flow, je sais pas. Ce que Bergoglio nous dit, au premier degré, hein, ce texte officiellement infaillible, que seule la poésie pourra sauver le monde. Mais peut-être que c'est le slam qui va sauver le monde, ou le rap, allez savoir. Hein. Peut-être que sa prochaine encyclique, Bergoglio,
va nous dire que c'est le rap qui sauvera le monde. Je ne sais pas. On verra. On verra ce qu'il nous raconte, le Zozo. Il dira le slam, c'est la base. Voilà, le slam, c'est la base. Il va vous dire, pour moi, le slam, c'est la base. Exact. Bergoglio qui, selon certains, et Saint-Pierre, moi, je pense que c'est un clown. Hein. Bon, là, ça n'engage que moi. Alors, mon cher Jonathan, nous allons parler ce soir d'un roman de Gaston Leroux. Oui. Qui s'appelle Le mystère de la chambre jaune. Donc nous allons en fixer l'intrigue hein, et on va évoquer tout ça. Donc la parole est à vous. Voilà, parce que c'est ça la grande supériorité, hein, je l'ai déjà dit, hein, la grande supériorité du rendez-vous de la littérature, le rendez-vous de la réaction. C'est que dans le rendez-vous de la littérature, c'est Jonathan Sturel qui bosse. Voilà. C'est pas moi. Voilà. Donc c'est très bien. Donc allez-y, mon cher Jonathan. D'accord, bah, comme vous l'avez annoncé, Le mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux, mais c'est un livre dont il est extrêmement difficile de parler, parce qu'il appartient au genre policier d'une part, ce qui signifie qu'il y a une intrigue et qu'il y a un dénouement à la fin, mais celui-ci en particulier, alors j'ai pas lu tous les livres policiers, mais celui-ci en particulier est réputé pour être particulièrement doté de situations, de coups de théâtre, de rebondissements, de situations imbriquées les unes dans les autres. Donc c'est difficile d'en parler, parce que par définition, à peu près tout ce qu'il y a à dire de ce qui se passe dans le livre correspond à une situation que le lecteur doit absolument découvrir par lui-même, sinon il comprendra pas, ou sinon son plaisir sera gâché d'une part, et il comprendra pas la suite, etc. Donc on va marcher sur des braises, à mon avis, on va éviter de pas lâcher le morceau, ce serait vraiment dommage pour ceux qui l'ont pas encore lu, donc la difficulté va être d'en parler, juste ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un livre qui est publié dans un premier temps en feuilleton en 1907. Donc vous voyez, on est encore dans la belle époque de l'avant-guerre, comme on aime bien, et qui est paru sous la forme d'un volume l'année suivante. Alors, on peut pas trop dévoiler ce qui se passe à l'intérieur, mais on peut évidemment dévoiler l'intrigue. Le synopsis, c'est l'histoire d'un crime qui va être commis dans des conditions invraisemblables et mystérieuses. Ça se passe dans un château, c'est le château du Glandier, c'est comme ça qu'il s'appelle. Plusieurs personnes vivent dans ce château. Il y a M. William Stangerson, qui est un éminent scientifique d'origine américaine, c'est pourquoi je prononce son nom à l'anglo-saxonne. À l'angloise, oui. Ouais, c'est ça. Il vit là-dedans avec sa fille, Mathilde, qui l'assiste dans ses recherches et qui est également scientifique et qui l'assiste dans ses recherches et dans ses travaux. Il y a un couple de concierges, les Bernier. Il y a un garde qu'on appelle l'homme vert, alors c'est pas du tout un ovni, lui, c'est parce qu'il est habillé de velours vert. C'est pourquoi on l'appelle l'homme vert dans le livre. Et il y a un monsieur qu'on appelle le père Jacques, alors pas le père dans le sens où il serait un abbé, ou un, c'est le père Jacques, comme on dirait, c'est en fait monsieur Jacques, son nom c'est Jacques, et c'est le serviteur des Stangerson, et il vit au château. Donc ce petit monde vit au château, et un soir, comme souvent, le père et la fille travaillent dans le laboratoire, puis arrive l'heure du coucher, comme à peu près tous les soirs, et Mathilde va rejoindre sa chambre, qui est une petite pièce, une petite chambre dont les murs sont jaunes, c'est donc la fameuse chambre jaune. Elle s'y enferme, et presque aussitôt dans la foulée, des cris qui commencent à retentir de cette chambre, c'est la fille qui est à l'intérieur en train d'être assassinée. Donc vous voyez le père et trois des domestiques, enfin le père Jacques et les Bernier qui foncent sur la porte est fermée de l'intérieur. La pièce est hermétiquement close d'une certaine manière, les fenêtres et les portes sont verrouillées de l'intérieur, alors on frappe à la porte, on tambourine à la porte, on finit par enfoncer cette porte, et on trouve effectivement la pauvre Mathilde sur le sol, inconsciente, avec du sang notamment sur les murs. Seul petit problème, cette pièce qui est close hermétiquement, qui est fermée de l'intérieur, et qui l'est encore à ce moment-là, mais il n'y a pas d'assassin. Il n'y a qu'une personne à l'intérieur de cette pièce, et elle est là en train d'agoniser sur le sol. Il n'y a pas d'assassin, il n'y a personne. Donc le mystère, ça va être le mystère du titre du livre, ça va être qui a fait ça. D'ailleurs, ce livre, à mon avis, aurait pu ou aurait dû s'appeler Le double mystère de la chambre jaune, parce qu'il y a deux mystères. Le premier mystère, ça va être de savoir qui est l'assassin, parce qu'il y a forcément un assassin. Et comme c'est un livre policier, il va y avoir une enquête, il va même y avoir une double enquête pour savoir qui est l'assassin. Et l'autre mystère, c'est enfin, comment se fait-il que cet assassin, qui était quelques secondes avant dans la pièce en train d'assassiner Mathilde, et on l'entendait, cette fille crier et appeler à l'assassin, crier à l'assassin, a disparu. Donc. Oui, il y a une lutte. Il y a une lutte. Il y a deux mystères. Qui est l'assassin? Qui a fait ça? On va rapidement découvrir, grâce aux deux enquêteurs que je vais présenter dans un instant, que l'assassin est probablement un familier du château, un familier des Stangerson. Néanmoins, il n'est pas là, il est absent, c'est une espèce de fantôme. D'ailleurs, existe-t-il? On ne sait pas bien. Vous savez, Gaston Leroux, on est toujours à la frontière entre le rationnel, l'irrationnel, le surnaturel. On ne sait pas bien, mais en tout cas, il n'est pas là. Là-dessus, évidemment, parce qu'on est quand même dans le monde normal, donc il va y avoir une enquête de police qui va être menée par... Est-ce que vous permettez juste que je rajoute deux petits détails sur la scène de crime? Oui, sur la scène de crime. Ou plutôt sur la chambre jaune. C'est que quand M. Stangerson
Et le père Jacques arrive à ouvrir la porte, et quand il trouve Madame Stangerson, on trouve aussi un os de mouton par terre, avec lequel on lui a frappé sur la tempe. Tout à fait. Et je précise aussi que sur le mur de la chambre, il y a une trace de sang de la main ensanglantée de l'assassin. Oui, voilà. Exactement. Ça, c'est un truc très important. Et je précise aussi deux autres choses, mon cher Jonathan, c'est que des coups de feu ont été tirés. Oui. Et qu'il y a aussi une espèce de bête étrange qui hurle la nuit. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous ai coupé, vous pouvez reprendre. Mais non, je voulais mais vraiment fixer un maximum le cadre. Et donc, vraiment, je répète bien, la chambre est totalement close. C'est-à-dire que dans Double assassinat de la rue Morgue de Edgar Poe, la chambre est close, mais il y a une petite fenêtre par laquelle on peut entrer. Là, il n'y a même pas cette petite fenêtre. C'est hermétiquement clos. Voilà. Et on trouve aussi, je crois, un béret de mémoire hein, dans la chambre de Madame Stangerson. Je crois que c'est un mouchoir, non ? Je ne sais plus. Ouais, on trouve quelque chose. Mais vous aviez raison de faire ces précisions. Pour simplement... Mais la main est très importante parce que c'est l'un des symboles du livre. Voilà. Voilà, et puis tout ce qui est présent dans cette pièce voilà, va nous permettre de prendre conscience qu'on est sur une scène de crime, ce qu'on appelait déjà à l'époque, j'imagine, une scène de crime, ou ce qu'on appellera dans le langage scientifique plus tard une scène de crime, donc avec du sang, avec cet os de mouton qui est potentiellement l'arme du crime, avec différents ingrédients. Donc en fait, le décor, comme on vient de le poser, c'est le décor, le point de départ du livre. Et comme c'est un livre, c'est un peu, après, ça va être un peu une espèce d'ambiance à la Cluedo, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu. Oui, tout à fait. Voilà, c'est la base pour moi, Cluedo. Vous savez, voilà, c'est la base. Qui a fait quoi ? C'est quelqu'un qui est forcément là, c'est quelqu'un qui, a priori, existe, mais qui est-il ? Donc, il va y avoir deux enquêtes conjointes et, entre guillemets, contradictoires. Une qui va être menée sur ordre du chef, du procureur, qui va être menée par Frédéric Larsan. Frédéric Larsan, c'est un policier qui est très connu, très réputé, qui a déjà résolu des problèmes compliqués, etc. Il est là, il est présent, il va mener son enquête, et un autre personnage va faire son entrée à partir du deuxième chapitre, un petit bonhomme de 18 ans, qui a une tête ronde comme un boulet, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est un petit gros, finalement, et il s'appelle Joseph Joséphin, mais du fait de cette tête singulièrement ronde, ses collègues dans le journal, puisqu'il travaille dans un journal, il est reporter, l'ont appelé Rouletabille. Donc c'est le fameux Joseph Rouletabille qu'on découvre pour la première fois dans le monde de la littérature policière et va revenir dans d'autres aventures. Donc c'est deux enquêtes qui vont être menées. C'est ce qui va compliquer les choses pour le lecteur, parce que le policier va dans un sens, Rouletabille va dans un autre. Chacun est convaincu d'avoir déjà trouvé le coupable, mais ces deux enquêteurs ne sont pas d'accord sur l'identité du coupable. Et à partir de là, des situations, c'est là que ça devient compliqué, parce que des situations vont se mettre en place, forcément. On est en face d'une espèce de dévoilement progressif de l'histoire, de l'intrigue. C'est extrêmement bien structuré, c'est extrêmement bien, je dirais, scénarisé. D'ailleurs, c'est tellement bien scénarisé que beaucoup d'autres grands noms de la littérature policière, comme par exemple Agatha Christie, qui est, je pense, la papesse du genre, hein. Je pense qu'Agatha Christie, c'est la référence mondiale du genre policier, a rendu hommage plusieurs fois, même dans ses propres livres, à ce livre de Gaston Leroux. Ce qui fait que Gaston Leroux, en produisant ce livre, a vraiment marqué les esprits des gens qui étaient des spécialistes et des auteurs du genre policier. Et quand on a l'hommage et les félicitations d'Agatha Christie, je pense qu'on peut considérer qu'on a marqué un point. Et donc que le livre, a priori, c'est pas un livre bâclé. C'est vraiment pas un livre bâclé, c'est un livre écrit aux petits oignons, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme certains films policiers ou comme certains films tout court, dans ce livre-là, je préviens le lecteur qui s'apprête dès demain à courir à la librairie pour l'acheter, que c'est pas un livre qu'on peut lire à la légère. Chaque phrase, chaque mot, chaque dialogue a une importance pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait, Gaston Leroux n'a rien laissé au hasard. Vous allez découvrir par la suite quelque chose. En tant que lecteur, vous aviez été mis sur la piste 50 pages plus loin, mais vous l'aviez oublié parce qu'entre-temps, il se passe tellement de choses. Donc, vous êtes constamment ramené. Et aussi parce qu'on a l'impression que c'est un détail complètement anodin. Bien évidemment. Par exemple, Rouletabille demande à plusieurs reprises comment était coiffée Madame Stangerson le jour J, quoi. Vous voyez ? Effectivement, on a été coupé ou pas ? Non, je vous entends. Allez-y, poursuivez. En fait, moi, si vous voulez, ce qui fait la force de ce livre, rappelez-vous, la dernière fois, enfin, une précédente fois, on avait parlé des aventures de Dupin, de Poe, et j'avais dit, ce que s'amuse à faire l'auteur, Poe, c'est tester l'intelligence du lecteur. Bon, là, on est dans la situation, dans une situation à peu près similaire, et peut-être même encore plus compliquée, puisque le pari de Gaston Leroux, c'est que le lecteur soit suffisamment immergé dans le récit pour qu'il s'y intéresse, mais qu'ils ne reçoivent les indications qu'au compte-gouttes
pour éviter que l'intrigue soit déjouée trop tôt. Le but, c'est d'emmener le lecteur jusqu'à la fin du livre. Alors, le livre, moi, dans mon édition, c'est pas un énorme livre, hein, c'est 300 pages. Voilà, comptez que c'est en livre de poche. C'est vrai que c'est écrit petit, dans d'autres éditions, il doit faire 350 pages. Donc, mais c'est 350 pages extrêmement denses. Ouais, c'est pas très long. Ouais. C'est pas très long, mais c'est très dense. Oui, oui, et oui, du oui. coup, c'est une lecture qui n'est pas une lecture pour se reposer, parce que c'est une lecture, enfin, je sais pas, je pense que vous l'aviez ressenti aussi. Enfin, ceux à qui j'en ai parlé, qui ont lu ce livre, m'ont dit la même chose. C'est cérébralement parlant assez fatigant. Oui, tout à fait. Et y a un motif très précis à cela. C'est qu'on est immédiatement plongé dans le mystère. C'est que cette sensation de mystère ne quitte pas notre esprit. Voilà. Absolument pas. Donc, ce n'est pas lourd par le style, ce n'est pas lourd par l'histoire. C'est lourd parce que notre esprit est complètement colonisé par ce mystère dont on a envie de connaître la solution. Voilà. Absolument, oui, bien sûr. Je pense que si vous avez... Ça, c'est exceptionnel. Franchement, il y a très peu de romans. Moi, j'ai lu beaucoup de polars. Il y a très, très peu de romans où on a vraiment une espèce d'excitation et de frustration de ne pas connaître, la clé de l'énigme, quoi. Tout à fait. Et je dirais même la clé de la double énigme, parce que pendant très longtemps, dans le livre, on va accompagner ces deux enquêteurs, donc Larsan et Rouletabille, à la recherche du criminel. Mais le lecteur, à un moment donné, perd de vue... Et l'auteur nous le rappelle en cours de livre vers la fin que, mais attendez, quand bien même on aurait découvert qui est l'auteur, ça n'explique pas comment il a disparu de la chambre jaune, quoi. Évidemment. Donc il y a un double mystère. Et le lecteur, entre guillemets, d'une certaine manière, à échéance régulière, est ramené vers un mystère et vers un autre. À un moment donné, on se dit, d'accord, c'est son collègue. Parce qu'en fait, si vous voulez, le livre est écrit comme étaient écrits les premiers Arsène Lupin, c'est-à-dire avec un narrateur à la première personne. Les tout premiers Arsène Lupin, c'est en fait Maurice Leblanc qui raconte les histoires en se présentant comme l'ami d'un gentleman cambrioleur qui s'appelle Arsène Lupin, qui lui rend visite chez lui et qui lui raconte les histoires extraordinaires qui lui arrivent, et Maurice Leblanc en fait des livres. C'est ça officiellement c'est comme ça que les choses sont présentées au début. Là, c'est la même chose, c'est un avocat ou ex-avocat qui s'appelle Sinclair, qui est un ami de Gaston Leroux. Il est toujours avocat, et c'est en fait c'est lui qui raconte l'histoire sur la base de ce qu'il a vu lui-même, parce qu'il fait partie des gens qui vont venir enquêter avec tous les autres. À un moment donné, il va y avoir beaucoup de monde dans ce château, c'est ce qui va faire que les situations vont s'imbriquer et se complexifier au fur et à mesure, parce qu'il y a les gens qui vivent dans le château tout le temps, c'est-à-dire le propriétaire, M. Stangerson, plus sa fille, plus évidemment tous les autres, son fiancé Robert Darzac qui est là, qui n'est pas là, qui va être le premier soupçonné. Tout le monde va être soupçonné tour à tour. C'est pour ça que je faisais une allusion tout à l'heure au Cluedo, où à un moment donné tout le monde ici peut être potentiellement le coupable. Même le père à un moment donné va être accusé, enfin il va être un peu soupçonné de loin par Larsan, etc. Il y a d'autres gens qui viennent se greffer à cette histoire, dont un certain Arthur alors je vais dire Rance, mais je pense qu'il est américain, donc oui. Voilà, on devrait probablement aussi prononcer son nom à l'anglo-saxonne. On va dire Rance, c'est pas très beau, quoi. Il s'appelle Rance, les gars. Et donc il arrive ici, un peu de nulle part, à peu près à mi-roman, et puis Rouletabille lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'étiez pas censé repartir aux États-Unis déjà depuis quelques jours. »« Ah oui, je suis toujours là. » Donc il y a un nouveau personnage, entre guillemets, qui fait son entrée. Le lecteur qui avait été mis sur la piste d'un potentiel coupable ou d'un autre potentiel coupable se retrouve avec ce personnage qui sort de nulle part et qui, le lecteur est obligé de se dire à un moment donné, mais ce serait pas lui par hasard qui déboule de nulle part. Mais Gaston Leroux est beaucoup trop intelligent pour faire en sorte que le lecteur va se dire, ah oui, non mais lui c'est évident, il sort de nulle part, il débarque, c'est évident que c'est louche, quoi. C'est beaucoup trop louche pour être vrai, c'est beaucoup trop facile pour être vrai. C'est vraiment très très difficile de suivre. Bah déjà, de suivre le raisonnement de Rouletabille, parce que ce qui fait que c'est difficile de suivre son raisonnement, c'est que Rouletabille, lorsqu'il parle à son ami Sinclair, il ne dévoile ce qu'il comprend de cette histoire qu'au compte-gouttes, lui aussi. Hein. Vous voyez, il ne dit pas au deuxième chapitre, ça y est, j'ai compris, c'est lui l'assassin, et maintenant je vais le prouver. Il dit, je crois savoir c'est qui, et je vais le montrer par la suite, mais avant, il faut que même j'en sois sûr. À côté de ça, il y a Larsan, le policier, qui lui est sûr d'une autre thèse. Donc à un moment donné, il y a des confrontations, il y a le procureur qui est là, le chef de la sûreté, il y a Rouletabille qui est là, qui défend sa thèse, il y a l'autre qui est là, mais il est également très fort, c'est un policier, c'est un fin limier lui aussi. Donc à un moment donné, je pense que quand on est à peu près à mi-roman, à mi-volume, le lecteur, c'est-à-dire vous, moi, le lecteur, est obligé de se dire... Il est obligé d'abdiquer en fait. Moi, je pense, je suis rentré dans ce livre en me disant, bon, bah, je vais essayer de trouver le coupable en même temps que le héros, en même temps que l'enquêteur, ou voire même le trouver avant. C'est ce que je disais aussi pour les aventures de Dupin. Et à mi-roman, c'est l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, bon, j'arrête d'essayer de comprendre qui a fait quoi. Je vais simplement maintenant, en tant que lecteur,
spectateur, suivre le raisonnement des enquêteurs, parce qu'à un moment donné, on est obligé d'abandonner, parce que Gaston Leroux nous casse tellement la tête, c'est ce que je disais il y a un instant, vous m'avez repris, peut-être que j'avais donné l'impression, quand j'ai dit que le livre était épuisant cérébralement, j'ai peut-être donné l'impression que je voulais dire qu'il était lourd, pesant et pas bien écrit, c'est évidemment pas ce que je voulais dire. Non. Voilà. Je vous faisais pas ce procès d'intention. D'accord, mais c'est vrai qu'on aurait pu l'interpréter comme ça si je l'ai pas précisé, non. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement fluide, mais il y a, à un moment donné, plus on avance dans l'histoire, une telle masse d'informations, et qui plus est, une telle masse d'informations contradictoires, où des choses qui nous paraissent d'une évidence absolue sont en fait, trois pages plus loin, complètement balayées par les deux enquêteurs. Et quand ils nous donnent les raisons qui font qu'ils balayent cette circonstance, on se dit, bah oui, c'est vrai. Comment, moi, lecteur, j'ai pu penser que j'avais été amené dans cette direction par cet indice, etc. Alors qu'en fait, cet indice, effectivement, ne reposait sur rien. Il y a une phrase qui est très importante dans le livre. J'allais y venir, vous me cachez. Il y en a même plusieurs, mais celle à laquelle je faisais allusion tout de suite, c'était comment on résout rationnellement un problème, en fait. C'était aussi le problème qui était posé par Poe dans Les Aventures de Dupin. Il s'est passé quelque chose, par exemple la lettre volée. Cette lettre a été volée. Cette lettre existe forcément quelque part. On ne peut pas ne pas la trouver dès l'instant qu'elle existe physiquement. Elle est forcément quelque part. Eh bien, Rouletabille a ce même raisonnement. Si un crime a été commis, c'est qu'il y a un criminel. Si on ne l'a pas trouvé dans la chambre au moment du crime, c'est qu'il est ailleurs. Mais il existe forcément. Et il va faire un cercle. Alors, c'est une expérience de pensée, vous savez. L'expérience de pensée. On ne sait pas s'il est ailleurs, d'ailleurs. On ne le sait pas, hein, je précise. On ne sait pas. J'ai pas entendu. Je disais, on ne sait pas s'il est ailleurs ou pas. Oui, effectivement. À ce moment-là, on ne sait pas encore s'il est ailleurs. Mais en tout cas, dans l'esprit de Rouletabille, il existe. Il est forcément quelque part. Même si nous, en tant que lecteurs. En tant que lecteur, surtout si on a lu Le Fantôme de l'Opéra avant et qu'on connaît un peu Gaston Leroux, on sait que Gaston Leroux aime bien s'amuser à nous brouiller la tête. Et cette fameuse phrase de Rouletabille, c'est « tenir la raison par le bon bout ». Je crois que c'est « prendre la raison par le bon bout ». Prendre le bon bout par la raison par le bon bout, et non pas par le bambou, hein, par le bon bout. Le bon bout, En deux mots. Et à partir de là, il va procéder, et c'est ça qui fait qu'il est une intelligence froide et rationnelle et extrêmement précise, c'est qu'il va procéder par élimination. Rappelez-vous d'une scène extrêmement importante du livre, j'en parle, divulgâcher. Alors, c'est la scène du couloir. Cette scène absolument fantastique. Alors attendez, mon cher Jonathan, j'ai fait un dessin, j'ai fait un schéma. Oula. Pour expliquer aux gens. Schéma qui est dans le livre. Hein. Donc, oui, c'est vrai. En fait, il faut expliquer au lecteur. L'assassin revient dans la chambre de Mademoiselle Stangerson pour y prendre des documents, je crois, de mémoire. Et Rouletabille va essayer de le surprendre en montant à l'échelle, en sautant à travers la fenêtre pour l'attraper. Et l'assassin, voyant Rouletabille arriver, va fuir dans le couloir. Mais Rouletabille avait tendu un piège à l'assassin et il avait posté des gens dans le couloir. Donc, monsieur Pierre-Tirmont, est-ce qu'on voit bien mon schéma, là, en vidéo? Donc, Rouletabille arrive par le point 4 par la fenêtre et l'assassin est dans le petit carré, là. Au point 3, Rouletabille a posté Monsieur Stangerson. Au point 1, il a posté Frédéric Larsan. Et au point 2, il a posté le père Jacques. Donc quand Rouletabille arrive par la fenêtre, l'assassin va commencer à sortir dans le couloir. Et le père et Monsieur Stangerson, qui est au point 3, donc, va lui courir après, donc derrière lui. Rouletabille, qui est rapide, va courir au même niveau donc, que M. Stangerson. Donc ils vont tous les deux poursuivre donc, dans le dos l'assassin. Et le père Jacques, lui, donc, va arriver, donc, il est au point numéro 2, donc il va arriver donc, par l'autre côté. Et Frédéric Larsan va arriver, lui, donc, par le bas, si je puis dire. Bon. Et donc l'assassin va être pris de tous les côtés, théoriquement. Il doit être pris de tous les côtés. Donc l'assassin arrive, il tourne, et M. Stangerson, Rouletabille, Frédéric Larsan et le père Jacques vont se percuter, tous les quatre. Ils n'arrivent pas à mettre la main sur l'assassin. Comment l'assassin a-t-il fait pour échapper donc, aux quatre loustiques? Voilà. Pour disparaître quasiment. Comment a-t-il fait? Et s'évaporer, quoi. Et Gaston Leroux donne à ce mystère a priori inexplicable une explication parfaitement rationnelle. Oui. Voilà. Que ce soit donc pour cette tentative d'assassinat en chambre close ou cette scène du couloir, il y a à chaque fois une explication
parfaitement rationnel. Alors, je précise que je dis l'assassin parce qu'il y a aussi le garde qui se fait assassiner. Hein. Voilà. Oui. Mais voilà, donc cette scène absolument exceptionnelle aussi, la Rouletabille va la résoudre. Mais je vous laisse reprendre, mon cher Jonathan. Et puis, dites un mot aussi de l'autre phrase très célèbre du roman, vous savez, sur le presbytère. Oui. Mais avant ouais. j'aurais dû dire ça dès le début, quand j'ai dit que le livre allait se complexifier très vite. L'auteur Gaston Leroux, la chevillette en même temps, c'est pourquoi je pas parle. L'auteur Gaston Leroux donne pour titre à son tout premier chapitre, exactement l'antititre par excellence, parce qu'on pourrait penser qu'on va commencer à comprendre. En réalité, le titre du premier chapitre qui pose l'ambiance, entre guillemets, c'est chapitre 1, où l'on commence à ne pas comprendre. Et en fait, cette phrase dit tout de l'esprit du livre, en fait, où on ne peut pas comprendre, en fait. Et quand je disais Dupin, oui, teste l'intelligence du lecteur, si Gaston Leroux teste l'intelligence du lecteur aussi dans ce livre, est-on plus intelligent que Gaston Leroux ? Là, on est obligé de répondre non. Je ne crois pas que quelqu'un ait compris. Je vois pas, depuis que ce livre est sorti il y a plus de 100 ans maintenant, le nombre de gens qui ont lu ce livre, ouais, c'est dingue de se dire que ça date d'avant la Première Guerre mondiale, tellement le style est moderne. Quand je dis le style est moderne, c'est pas le style littéraire, même si lui aussi il est très moderne, il est très accessible, mais la narration, la construction narrative de ce livre, où on pose une situation et où c'est quasiment une pièce de théâtre, en fait. On pourrait jouer le mystère de la chambre jaune au théâtre, parce que on fait entrer progressivement les personnages les uns après les autres, on les découvre petit à petit, et après il y a cette situation absolument compliqué dont j'ai parlé. Et là, la phrase que vous vouliez que je redise et que je vais être obligé de retrouver, mais je vais la retrouver. Je crois que je l'ai en tête. C'est le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Effectivement. Alors, cette phrase, elle peut paraître assez opaque pour ceux qui nous écoutent, mais ce qui est intéressant, c'est que tout au long du livre, enfin, à deux reprises particulièrement, Rouletabille, qui décidément est un personnage plein de mystères lui aussi, de son vrai nom, Joseph Joséphin. Oui, Joseph Joséphin arrive à se faire ouvrir des portes qu'il n'est pas censé se faire ouvrir. Déjà, comment se fait-il qu'il arrive à avoir accès au château ? C'est un reporter, les journalistes sont censés ne pas être acceptés sur la scène de crime, mais lui, il y arrive, etc. Parce que il est plein de mystères et il arrive toujours à sortir une petite phrase qui vont... Ah ouais, c'est marrant, le petit bonhomme que je viens de voir à l'écran. Ouais, monsieur Pierre-Tirmont me fait des cachotteries. Il y a un petit bonhomme sur le micro de Victoire. C'est Rouletabille. C'est Rouletabille, ouais. Autant pour moi. C'est Rouletabille qui a fait un peu de sport, là, parce qu'il a changé. Hein. Ouais. Et le petit bonhomme, parce que c'est vrai... Heureusement que vous êtes là pour balancer, Jonathan Sturel. Hein. Ah, c'est un petit... Heureusement, parce que moi, on ne me l'aurait pas dit. Hein. Un petit Rouletabille tout mignon. D'accord. Cette phrase qu'on vient de dire, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat, c'est une phrase qui sort de nulle part. Le lecteur, au moment où cette phrase est prononcée, n'a aucune idée de quoi il s'agit, mais lorsque Rouletabille va la prononcer, il va obtenir de Robert Darzac, qui est le fiancé de Mademoiselle Stangerson, l'autorisation d'entrer dans le château, puis de mener ses enquêtes, etc. Mais on ne sait pas cette phrase, on ne sait pas d'où elle vient, pourquoi elle vient à l'esprit de Rouletabille, et on ne sait pas pourquoi elle fait frémir Darzac au point que Rouletabille pourra obtenir de Darzac ce qu'il veut après. Une autre scène à peu près similaire, c'est quand il va dans l'auberge des Mathieu. Vous savez, il y va et on ne veut pas les servir. Il y va avec Sinclair. On ne veut pas les servir. Ils sont pas les bienvenus. Et il va encore renoncer. Il va encore prononcer une phrase assez pareille dans le même genre, qui va finir par faire dire au lecteur, mais enfin, mais qui est ce Rouletabille ? Est-ce qu'il a des dons divinatoires ? Est-ce qu'il est bien humain ? Est-ce qu'il est inspiré par des forces que nous ne comprenons pas ? A priori, non, c'est un homme comme tous les autres, mais en même temps, il est dans une histoire où un homme qui est encerclé dans un couloir finit par se dissoudre, où un homme qui est en train de commettre un crime, il y a quelques secondes, il était en train de commettre un crime derrière une porte, au moment où on casse la porte, il n'est plus là. Donc on est un petit peu dans des espèces de... C'est vraiment compliqué, parce qu'au-delà de la nature compliqué du livre d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire comparer les éléments, les indices, les sous-peser, est-ce que ça s'explique rationnellement, etc. Il y a aussi une espèce de nappe mystérieuse où des choses se produisent qui ne sont pas censées se produire dans un monde terrestre rationnel, quoi, mais qui se produisent. Et ça ajoute du doute au doute, ça ajoute... C'est pourquoi je vous dis, moi, à mi-livre, à un moment donné, je me suis dit, j'arrête d'essayer de comprendre, ça n'a plus aucun sens. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qu'il faut ajouter, c'est que y a vraiment une mise en scène génialissime, parce que vous évoquez la pièce de théâtre, donc je poursuis la métaphore.
c'est que la construction du livre est vraiment chirurgicale et mathématique. Oui. Ça, c'est vraiment... chaque pièce est posée... Enfin, c'est comme une partie d'échecs, vous voyez, où chaque pièce avance au bon moment à chaque fois, vous voyez. Et ça, c'est absolument hallucinant, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans très, très, très peu de romans. Et aussi, l'un des intérêts de cet ouvrage, c'est qu'on est dans la France d'avant, quoi. La oui. France des notables, vous voyez, au bon sens du terme. Oui. Voilà. Sans doute ne payait-il pas les impôts de... sur les successions qu'on évoquait l'autre jour, et sans doute n'avait-il pas cette fiscalité progressive qui est faite pour détruire les patrimoines. Mais voilà, on était dans cette France joyeuse, cette France française enracinée, avec beaucoup de bonhomie. Il y a beaucoup de bonhomie dans les personnages de Gaston Leroux. D'ailleurs, à cet égard, le Mystère à la Chambre jaune n'est pas le meilleur bouquin de Leroux pour ça. Hein. Je pense que le meilleur, c'est le fauteuil hanté. On en reparlera une autre fois du fauteuil hanté. Mais voilà, on est dans la France d'avant, et ça, c'est l'un des grands plaisirs qu'on a avec Gaston Leroux, quoi. Oui, et vous savez, l'intérêt de lire un livre sur cette époque, mais qui a été écrit par quelqu'un de contemporain à cette époque, c'est que ce n'est pas quelqu'un de notre époque qui va essayer de nous immerger dans cette époque en reprenant les formules de l'époque et en ajoutant à son récit des éléments contextuels de l'époque. Là, ça a été écrit par l'époque, par quelqu'un de l'époque. Ça veut dire que quand Gaston Leroux écrit son livre au début du XXe siècle et qu'il a besoin qu'un de ses personnages s'éclaire, bah, la seule chose que Gaston Leroux trouve pour que ce personnage s'éclaire, bah, c'est une petite lampe à gaz, par exemple. Tu vois ouais, et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir être mis en situation... C'est la classe, la lampe à gaz. C'est la possibilité que le lecteur a de se mettre en situation, de se plonger dans un décor de l'époque, en fait. L'homme en vert, celui qu'on appelle l'homme vert, là, celui qu'on appelle l'ovni, là, l'homme vert, il s'habille en velours. Rien que ça, le velours, ça fait tellement longtemps que plus personne n'en porte. Mais c'était finalement assez classique, enfin assez répandu à l'époque, de porter du velours. Mais en fin de compte, on est constamment plongé dans une ambiance, alors que c'est pas... Ouais, bien sûr. Là, l'ambiance dont on parle, c'est pas le projet de Gaston Leroux, parce que lui, il écrit... sur des choses qui se passent à son époque, il décrit des personnages qui sont habillés comme on s'habille à l'époque, qui s'éclairent comme on s'éclaire à l'époque. Le but de Leroux, c'est pas de nous immerger dans une époque, par définition, il est de cette époque et il écrit depuis cette époque. Son but, c'est de nous monter la tête avec une histoire tordue, etc. Mais quand on lit ce roman 100 ans plus tard, comme nous par exemple, et qu'en plus de ça, on a la nostalgie de cette France, eh bien, on trouve une autre raison de lire, on trouve une autre bonne raison de nous plonger dans les livres de Gaston Leroux, c'est que bah, du coup, on plonge dans l'époque dans laquelle ils ont été écrits. C'est extrêmement important. J'adore. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, mon cher Jonathan ? Là, immédiatement, non. Alors donc, en conclusion, je dirais que... donc, vraiment... Si, j'ai une petite chose à dire. Ah, bah, allez-y. J'ai vu passer tout à l'heure dans le chat le nom de Jérôme Bourbon. C'est Bourbon ou Bourdon ? Bourbon ? Bourbon, ouais, Bourbon. Oui. Eh bien, en fin de compte, effectivement, si vous voyez... moi, quand j'essaie de m'imaginer à quoi ressemble Rouletabille, d'après les descriptions qui nous sont données par Leroux, ben, je pense à lui, par exemple. Petit bonhomme. Alors, il y a quand même une différence entre les deux en termes de carrure. Hein. Voilà. Sans offense pour personne. Non, bien sûr, mais je veux dire, la description physique générale, c'est... petit, plutôt en rondeur, avec une tête plutôt ronde. C'est exactement comme ça qu'est décrit Rouletabille. C'est comme ça qu'il est censé. Jonathan, je me censure. Être physiquement. C'est pour ça le petit bonhomme que Pierre de Tiron est en train de promener à l'écran. Il me fait des cachotteries, ressemble... Pierre de Tiron. Là. Il me fait des cachotteries. Il est plutôt gaulé comme Tintin, celui-là. En fait. J'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave, t'en dis pas avec toi. Mais il Ah, il est sur la chemise. Oui. Effectivement, vous avez raison, il ressemble à Jérôme Bourbon. Vous avez raison. Voilà. Non, enfin, alors lui, non, pour le coup, lui ressemble plutôt à Tintin. Voilà, voilà. Et ce qui est intéressant aussi que je pourrais ajouter, c'est que ce livre a une particularité, c'est que le personnage qui est introduit dans ce livre, Joseph Rouletabille, on le retrouve, si jamais on se prend d'affection et de sympathie pour ce personnage, il y a une saga, en fait. Il y a d'autres livres, d'autres histoires, d'autres aventures, un peu comme les aventures de Tintin ou Astérix. Les qui ne sont pas forcément d'ailleurs des polars. Il y en a un qui se passe en Bulgarie notamment. Qui est en deux tomes, qui s'appelle donc Les étranges noces de Rouletabille et La tour noire, je crois, de mémoire, qui est plutôt un livre d'aventure. Hein. Qui est d'ailleurs le dernier, je crois. Je crois que c'est le dernier de la saga de Rouletabille. Sinon, il y en a un aussi que je recommande, qui est vraiment d'excellente facture, c'est Rouletabille chez le Tsar. Oui, là aussi, le mystère est très puissant. Il y en a un qui s'appelle Le crime de Rouletabille, qui est pas top. Et Rouletabille chez Krupp m'avait pas non plus fait un effet de dingue. Pour tout vous avouer. C'en est que j'ai pas lu celui-là, pas encore. Ouais, il est pas exceptionnel. Mais on apprend que Rouletabille a fait Verdun. Voilà. Oh.
Oui, il a fait Verdun Rôle Tapis, ouais, tout à fait. Bah, vous voyez, c'est incroyable ce que vous venez de dire, parce qu'en parlant de Verdun, sur la chaîne de Jonathan Sturel, vous trouverez une vidéo qui est publiée depuis quelques jours qui parle de Verdun. Mais je vous invite à la voir, parce que je l'ai vu. Est-ce que ce personnage est recommandable aussi, Jonathan Sturel? Pas tellement recommandable. Voilà, ouais. Souvenez-vous quand même qu'on l'appelle l'OVNI, mais néanmoins... Exact. Sa vidéo mérite d'être vue, je pense. Je suis d'accord avec vous, mais on fait la pub pour la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, hein, on le met en description. Hein. Elle mérite d'être vue, alors je ne sais pas pour moi que je dis ça particulièrement. La voix de Jonathan Sturel est une voix enracinée, une voix refrancisante. C'est pour ça que je soutiens et je promeux, si je puis dire, Jonathan Sturel. Donc j'invite vraiment les gens à aller sur sa chaîne YouTube, à s'abonner. Puis je crois qu'il faut dire cliquer, bon, chers amis. Voilà. Et dans cette vidéo de Verdun, j'ai intégré un témoignage, qui était un témoignage radiophonique qui a été donné par un ancien poilu. Ça dure pas longtemps, ça dure une trentaine de secondes, son témoignage, ou 40 secondes. Et c'est un bonhomme qui est devenu un très vieux bonhomme maintenant, c'était Henri Auclair, qui parlait au micro de je sais plus qui, sur France Inter, 2000 ans d'histoire, consacré à Verdun. Et pendant les quelques dizaines de secondes où on entend cet ancien poilu, je vous garantis que vous n'êtes pas français. Si vous n'avez pas les poils qui se hérissent sur les bras. Voilà, dédicace à Black M. Voilà. C'est oui, bah voilà. Voilà. C'est vraiment quelque chose de. Ne serait-ce que pour entendre des 40 secondes de témoignage de cet ancien poilu, la vidéo mérite d'être vue. Après, vous coupez si vous voulez, si ma voix ne vous intéresse pas. Alors donc, aucun autre roman ne mérite à ce point d'avoir dans son titre le mot mystère que Le mystère de la chambre jaune. Aucun autre roman, sauf un. Je le répète, Le parfum de la dame en noir, qui en termes d'intrigue est supérieur au mystère de la chambre jaune, et même en termes de suspense. Pour moi, Le parfum de la dame en noir, c'est le plus grand roman policier de tous les temps. Voilà. En termes d'intrigue pure, il n'y a rien de plus fort, quoi. Vraiment, Qui est exactement la suite de la chambre jaune. Exactement, c'est que c'est aussi un crime de chambre close, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Avec une autre explication. Voilà. Donc c'est vraiment hallucinant, quoi. On y retrouve d'ailleurs beaucoup des personnages de la chambre jaune, dont Rouletabille évidemment. Bien sûr. Mais vraiment, il faut que les gens découvrent Gaston Leroux, il faut qu'ils découvrent Rouletabille. Le mystère de la chambre jaune et Le parfum d'un amant noir sont vraiment des lectures refrancisantes. Et le trio de choc, c'est avec Rouletabille chez le Tsar. Mais vraiment, il faut lire ça, parce que c'est francisant. Moi, j'ai toujours dit que j'étais devenu français grâce à quatre personnages quand j'étais jeune. Rouletabille, Arsène Lupin, Fantomas et l'inspecteur Juive. Voilà. Vous voyez, c'est les quatre. Je leur dois l'amorce de ma francisation. Donc merci à eux. Et vraiment, je recommande la lecture. Tout ce que nous faisons là, c'est pour cette logique de refrancisation. Nous essayons de réagréger des Français enracinés et de les, si je peux exprimer ainsi, de les perfectionner à tous les points de vue. Hein. Et de perfectionner donc leur francisation, leur francité, eh bien Gaston Leroux aide à cela. Voilà. Alors à tout hasard, Victor, avons-nous des questions ? On a une question. Allons-y. Déjà, un don. Ah, il y avait du bif, bien sûr. Merci à Indagatrix Trames pour son généreux don. C'est combien le généreux don ? 54,99€. Ah ouais, c'est généreux ça. Vraiment, bravo. Merci à vous, cher ami. Et question d'Anthony, que pensez-vous du film... Les Misérables la... Non. Ah, j'ai eu peur. Mais non, le film Les Mystères de la Chambre jaune. Bidon. Le film avec Denis Podalydès, oui. C'est ça ? Nul. Il y a eu plusieurs adaptations, mais je pense que la question, elle porte sur la dernière en date, oui. Ouais, alors, poubelle, nul, zéro, rien. J'ai même pas osé la regarder. Non, mais surtout, ne faites pas ça, vous êtes dégoûté à vie. Et alors, par contre, il y a un film qui a été fait dans les années 30 ou 20-30 qui s'appelle donc Le mystère de la chambre jaune, qui est un bon film avec vraiment une atmosphère à l'ancienne, pesante, sombre, etc. Mais il y a énormément de liberté qui est pris avec l'histoire du roman. Et même l'explication pour le meurtre n'est pas du tout la même. Hein. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Mais le film en soi est sympa et je crois que vous le trouvez sur YouTube. En tout cas, pendant longtemps, il a été sur YouTube. Voilà. Donc, en fait, c'est un téléfilm le dernier, donc bidon, ultra bidon. Mais le film des années 30 est pas mal, mais avec énormément de liberté qui est prise sur l'histoire véritable, quoi. Voilà. Ah oui. Tout simplement. Il faudrait que je me renseigne pour savoir s'il a existé des adaptations au théâtre, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut se jouer au théâtre assez facilement. Alors, attention, sur YouTube, vous trouvez la série Rouletabille.
Et elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, très en dessous du niveau des livres, parce que le livre est toujours supérieur à la série et au film, hein, je précise. Mais elle est pas mal. Voilà. C'est une série en noir et blanc, avec des bons acteurs à l'ancienne. Voilà. C'est... Je vois qu'il a existé en 1949. J'étais encore tout jeune. Une adaptation du Mystère de la Chambre Jaune avec Serge Reggiani dans le rôle de Joseph Rouletabille. Donc là encore, je ne comprends pas bien comment Rouletabille il a perdu 50 kilos pour le film. Mais j'ai pas le souvenir qu'il était spécialement fort, Rouletabille, mon cher Jonathan. À plusieurs reprises, il est même, comme le dit Gaston Leroux, rouge écarlate. Son visage est rouge écarlate. Et à un moment donné, assez au début, bah, tout à fait au début d'ailleurs, il dit que c'était un petit avec qui est fort. Et je crois savoir pourquoi d'ailleurs. Et il a la tête ronde comme un boulet. Oui, et, tout à fait. Si vous regardez les photos de Gaston Leroux lui-même, qui était lui-même reporter avant d'être ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un écrivain, mais il était reporter, enfin journaliste au début, et il est plutôt pas très grand en taille, et plutôt fort, avec plutôt une tête ronde, donc il n'est pas impossible que Gaston Leroux ait mis un petit peu Il se soit inspiré de lui-même. Oui, voilà, un peu de ses particularités physiques dans son personnage, ce qui est tout à fait possible. Quoi. Oui, tout à fait. À tout hasard, est-ce qu'on a encore des questions, ma chère Victoire ? Oui, merci à Bobby Lapointe pour son don. Bobby Lapointe, toujours présent, là. Merci infiniment pour votre travail et votre dévouement. Des livres efficaces à conseiller pour dégauchiser nos proches. La vérité est si difficile à voir ou admettre. Belle soirée à vous. Bah écoutez, bon, c'est pas très bien de faire sa propre promo de ce point de vue-là, mais un bon bouquin pour dégauchiser, c'est La France divisée contre elle-même. Je pense que c'est une bonne initiation à la contre-révolution, d'un point de vue moderne, si je puis dire, et pratique. Voilà. Et puis après, mon bouquin sur les Gilets jaunes, c'est la suite en quelque sorte de La France divisée. Et là, je vais faire, pour clore la trilogie, je suis en train de travailler sur La gauche est une maladie mentale, que je vais essayer de sortir le plus rapidement possible. Donc, voilà. Parce que c'est une maladie mentale. Être de gauche en 2020, je crois qu'il faut être vraiment atteint. Quoi, hein. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma chère Victoire ? Non, pas de questions. Alors, mon cher Jonathan, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Là, tout de suite, j'ai rien qui me vient. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur... un autre mot sur... votre vidéo sur Verdun, la toute dernière là. Oui, j'ai fait une vidéo sur Verdun, effectivement. En fait, j'ai fait une vidéo à laquelle j'ai donné un titre un peu provocateur, oui, acrobatique. Je l'ai appelé Auschwitz contre Verdun. Alors, comme je le dis dans la vidéo, le but c'est pas de comparer qualitativement ou quantitativement ces deux événements, mais plutôt de comparer la façon que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des décennies après, de commémorer l'un et l'autre. Et je rappelle que pour le centenaire de la bataille de Verdun en 2016, cette commémoration en fait a tourné en profanation, puisqu'on avait prévu dans un premier temps d'organiser un concert de rap avec Black M à Verdun. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que la pression populaire s'est exercée, qui ont contraint les organisateurs à renoncer. Dédicace à la nouvelle opinion publique ce sujet-là. Effectivement, il y a eu un énorme mouvement, ce qui signifie que les Français, malgré ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très bien adaptés à l'époque, malheureusement, mais il y a quand même tapis au fond d'eux, quelque chose qui est du domaine du bon sens. Et même lorsqu'on n'est pas spécialement politisé, on trouve anormal qu'un concert de rap soit organisé à Verdun pour le centenaire de Verdun. Donc, grâce à ce mouvement, ça a été annulé, mais tout le programme de cette profanation n'a pas été annulée, puisqu'on a pu voir les images d'une bande de gosses, comme je dis, une bande de gosses Benetton, multicolores et débraillés, qu'on a fait courir en criant sur les tombes des poilus, en fait. C'est ça qui a été le point acméique, entre guillemets, des commémorations du centenaire, sous l'autorité du président de la République, sous l'autorité de la présidence, qui avait validé tout ça. Alors, vous avez des espèces de punks à chiens qui tapent sur des tambours, comme si on était dans le Bronx ou on était dans un camp de migrants. Et vous avez ces bandes de gosses qui courent, littéralement, en criant, sur les tombes des poilus. Alors ça, je m'en remettrai jamais. Ces images me poursuivront toute ma vie, de voir ces gosses faire ça. Et après, on a fait deux groupes de ces gosses, et on les a fait... simuler des prises de judo, des prises de karaté pour symboliser, j'imagine, le thème de l'affrontement entre les c'est très réaliste quand on voit les images, d'ailleurs, on y croit à fond. Hein. Non, mais c'est pour moi, vraiment, c'est un traumatisme. Ce qui s'est passé à Verdun, c'est un traumatisme. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'organisateur de l'événement qui se dit on va faire un concert de rap à Verdun, mais les mecs sont pétés de la tête, quoi. Non, mais franchement, quoi. Et surtout Black M, quoi. Hein.
Mais vous voyez, moi je pense qu'on en arrive là. Bon, il y a un projet politique derrière, évidemment. Je le dis dans la vidéo, j'ai pas envie de spoiler ma vidéo parce que j'ai envie que les gens aillent la voir. Mais je pense qu'il y a, vous savez, quelque chose qu'on peut vérifier à échelle familiale ou à l'échelle individuelle dans deux cas. Par exemple, lors d'une rupture, vous savez, lorsqu'un couple vient de rompre, dans les premiers temps, c'est très difficile de se souvenir de cette rupture, mais au fur et à mesure que le temps s'écoule et qu'on refait sa vie et qu'on passe à autre chose, on arrive à se souvenir un petit peu plus légèrement de cette rupture. Ou bien lorsqu'il y a un décès dans une famille, les premiers temps, les premières années, c'est difficile, on ne se souvient jamais du défunt sans verser une larme, et puis au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, au bout d'une vie, on commence à vivre sans, plus exactement à vivre avec, et on arrive à accepter, y compris des petites blagues sur le défunt qu'on n'acceptait pas au début. Là, je pense que 100 ans se sont écoulés, enfin 104 ans maintenant depuis Verdun, et les gens qui nous dirigent sont dans l'état d'esprit de ceux qui ont perdu quelqu'un, mais depuis tellement longtemps que maintenant ça ne les touche plus, et ils se permettent de faire des blagues sur Verdun, ils se permettent de faire des choses improbables sur Verdun, parce qu'en fait, pour eux, c'est tellement loin, ça appartient à une sphère culturelle, une sphère politique, une sphère, oui, j'allais dire culturelle, anthropologique, si tu veux, tellement différente de ce qu'ils sont maintenant, nos dirigeants, nos responsables, nos forces vives, que arriver à formuler l'idée qu'on va organiser un concert de rap et faire courir ces gosses à Verdun, il est probable même que ça ne les ait même pas choqués eux-mêmes. Mmh. Il est probable que parmi ces gens, il y en ait qui se soient dit il y a une provocation derrière qui est assumée, c'est évident, il y a des intérêts qui sont des intérêts idéologiques derrière que je décris dans la vidéo. Mais il y a aussi des gens qui font partie de l'organisation, qui n'ont vu aucun problème et qui ne se sont même pas posé de questions. L'anti-France en action. L'anti-France en action et l'anti-France qui... Il y a une anti-France qui est une anti-France militante et revendiquée chez certains, et il y en a pour qui c'est tellement assimilé l'anti-France que ça n'est même plus revendiqué. Pour eux, c'est normal. Mmh. Ça ne les choque même pas. C'est hors nature. On se dit, le but, c'est de commémorer une bataille. On ne veut pas que la bataille se reproduise. Nos pas de Zaran, ça ne recommencera jamais, etc. Donc, il faut absolument que la jeunesse soit concernée par le mauvais souvenir d'une bataille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va leur mettre un groupe de rap parce que ces vieux monsieur, ces vieux boomers, là, se disent, quand ils pensent jeunesse, ils l'identifient au rap. Ce qui en dit long sur le cheminement intellectuel que ces gens ont parcouru depuis trop longtemps maintenant. Et d'ailleurs, Hollande a réussi le tour de force dans son discours à ne pas prononcer le nom de Pétain, quand même. Hein. Ce qui est quand même très fort. Mais nous en reparlerons de Pétain, j'espère, en 2020. Alors aussi, j'ai cru me souvenir que... Enfin, ça c'était sorti dans la presse, mais je ne sais pas si c'est vérifié, vérifiable, mais que dans un premier temps, en tout cas, c'était dans quel... Ben non, c'était pour le centenaire de la fin de la guerre mondiale, donc en 18, il y a 2 ans. Si je ne me dis pas de bêtises, je crois que Macron n'avait pas été a priori opposé à l'idée de citer Verdun parmi les grands généraux de cette de Pétain parmi les grands généraux qui avaient mené cette guerre, mais que autour de lui il y a eu des pressions qui ont c'était, fait. C'était que, pas bah, autour de lui les pressions, c'était les réseaux ésotériques et communautaires que l'on sait. Oui, bien sûr, qui sont un peu autour de lui quand même. Oui, on se comprend. Ouais. Mais disons que c'était l'état-major à l'époque qui l'avait poussé à faire ça. Mais que vous disais-je ? Oui, je voulais faire une dédicace aussi à Jean Dujardin. J'ai vu ça sur mon Facebook, là, c'était un lien closer. Qui a dit... Donc Jean Dujardin déclare « Ça pue dans ce pays, je me casse », un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça qu'il a dit textuellement. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, il se fait pourrir sur les réseaux sociaux à cause de son rôle de Picard dans J'accuse de Polanski. Donc là, il y a quand même une justice immanente, quand même, qui est absolument géniale, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, les gens qui se sont fait lobotomiser par le système sur la question de l'affaire Dreyfus et qui rabâchent la version officielle stupidement, donc, n'ont pas les instruments pour faire la véritable critique de ce film et pour le casser. Bon. Mais le bon Dieu, dans son génie et son intelligence, eh bien... a permis que les choses se fassent de façon à ce que le film Polanski et tous ceux qui ont participé se fassent pourrir. Voilà, vous voyez. Et il y a un châtiment, c'est-à-dire qu'on veut faire de Picard, qui est l'un des plus grands traîtres de l'histoire de France, hein, bon, on veut faire de Picard un héros, et t'es puni. Tu contribues à ça, et t'es puni. Voilà. C'est tout. C'est tout. Il y a une justice immanente, c'est-à-dire qu'on participe à la destruction de l'histoire de France, eh ben on est châtié. Voilà. C'est comme ça. Mais vous pensez que c'est parce qu'il a interprété le rôle de Picard particulièrement ? Ah bien sûr, très clairement. Et même parce que Dujardin a déclaré « Je croyais en avoir fait ce rôle, et je le crois encore,
je croyais en ayant fait ce rôle, et je le crois encore, avoir fait quelque chose de bien. C'est bien son rôle qui est mis en cause. Et même sa femme sur Twitter est venue prendre sa défense en disant qu'il avait incarné un héros de l'histoire de France, etc. quoi. Vous voyez ? Donc il y a quand même y a un châtiment sur Picard qui, moi, ne me déplaît pas. Voilà. Parce que Picard était un voyou, un faussaire. Hein, et voilà. Donc il y a un petit châtiment que j'ai beaucoup aimé. Et comme quoi, mon bouquin sur l'affaire Dreyfus est beaucoup plus rattachable à l'actualité que ce qu'on aurait pu croire a priori quand il est sorti en 2018, en août 2018. Voilà. Et je remercie d'ailleurs tous les lecteurs qui l'ont acheté, qui l'ont diffusé. Je suis très très heureux de cet ouvrage. C'est peut-être pas mon livre le plus important, mais c'est à titre personnel, de tout ce que j'ai fait, celui que j'aime le plus relire. Celui pour lequel j'ai le plus de plaisir à relire. Notamment parce que c'est un bouquin comique. Hein, à cause de la version officielle qui est grotesque. Voilà. Mais je voulais faire cette petite dédicace donc à Monsieur Jean Dujardin. Quoi. Voilà. D'ailleurs, à propos du film... si vous allez sur la chaîne d'un certain Jonathan Sturel, il y a une vidéo qui est une vidéo qui parle du film J'accuse de Polanski. Et tout à fait. J'ai écouté cette vidéo, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, voilà. Bon, le personnage qu'il a fait est un peu suspect, mais bon, ça mis à part, effectivement, la vidéo est intéressante. Et alors aussi, si vous permettez, mon cher Jonathan, énorme dédicace à une dame dont j'ai oublié le nom de famille, Aïssa. L'actrice noire, là. Oui, Aïssa, je sais pas quoi. Ouais. Aïssa... Elle l'a représentée. Dédicace à toi, Aïssa. Elle nous a fait un discours indigéniste en mode « on est discriminé », en mode « il n'y a pas assez noir dans l'équipe de France de football », vous voyez. Et même... regardez les images du public quand elle fait son discours. Tous les gauchistes sont hyper gênés. Ouais. Et même les racisés sont hyper gênés parce qu'on se rend bien compte qu'elle raconte n'importe quoi. Ouais, que ça va un peu voilà. Loin. Ouais. C'est-à-dire que si les grands médias, le show business et compagnie font pas la promo de la diversité, qui l'a fait en France, quoi. Enfin, pourtant, Dieu sait qu'à la télévision, les Noirs sont très bien représentés, notamment dans tous les documentaires sur le milieu carcéral, ils sont extrêmement bien représentés. Ouais. Non, mais d'ailleurs, il y a des discriminations parce qu'effectivement, il y a des domaines où on voit pas de blanc, quoi. Voilà, donc c'est... C'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Bon. Mais bref, les choses avancent, et l'indigénisme est un allié politique, de facto. Comme Bergoglio, je veux dire. Quand on a des gens qui passent leur temps à faire des erreurs comme ça, ces gens-là sont nos alliés, quoi. Continuez, les gars. Envoyez la sauce. Ne vous arrêtez pas. Mais il y a vraiment un malaise palpable. Hein. Et d'ailleurs, Florence Foresti, dans son discours d'entrée, s'est excusée... sous le mode de l'humour, d'être une femme blanche, hétérosexuelle et d'héritage chrétien. Intéressant, oui. Quand même. Intéressant. Ça veut dire que les gauchistes commencent, eux aussi, à avoir des remontées, si je puis dire. Bon. Oui, tout à fait. Mais vous savez, j'ai vu des gens, notamment sur Facebook, j'ai vu passer des statuts ou des commentaires sur le discours d'introduction de Foresti, et qui était très à charge sur Foresti, mais je suis allé voir, du coup, par curiosité, ce discours. À mon avis, c'est évident que Foresti, en fait, elle est en train de basculer... Oui, elle se paye leur tête, là. Quand elle dit « je ferai pas de blague sur ça, voilà, comme ça, vous serez tranquille, vous pouvez faire semblant de rigoler, il y aura pas de rire, de malaise, etc. » Elle est clairement... Enfin, je pense qu'elle a acté le fait qu'on pouvait plus dire grand-chose. Ou alors, le dire, mais juste après avoir précisé qu'on pouvait pas le dire, parce que du coup, la blague, maintenant, c'est plus de faire une blague sur les Juifs, c'est de dire « bah comme on peut pas faire de blague sur les Juifs, je vais en faire une, mais je suis pas soupçonnable d'antisémitisme, parce que juste avant, j'ai précisé qu'on devait pas le faire. » Mais je pense qu'en fait, il est très intéressant le discours d'ouverture, mais elle réintervient plusieurs fois, après j'ai pas regardé, mais le discours d'ouverture de Foresti est en fait assez révélateur de plein de choses, et je pense que Foresti a conscience de certaines choses. On a bien dit Foresti, oui. Voilà. Poursuivez. Elle s'appelle... Comment, oui, c'est ça, Foresti, allez-y. Mais je pense qu'elle a compris des choses qui lui est impossible... Mais de toute façon, qui n'a pas compris aujourd'hui, mon cher Jonathan? Mais comme vous disiez, le malaise était palpable dans l'assistance au moment où... Les gauchistes ont parfaitement compris. Ils n'osent pas exprimer, je dirais... ils n'osent pas montrer ou être réfractaires. Mais ils ont parfaitement compris et ils sont saoulés par les mêmes choses que nous, en fait.
Ce sketch indigéniste, on y avait eu droit, enfin pas moi personnellement, mais comment s'appelle cela, aux Oscars, aux États-Unis, même sketch, hein, où on a reproché aux gens qui faisaient ce métier d'être trop blancs. Et là, on a la même chose ici, parce que généralement, ce qui se passe aux États-Unis, il faut quelques mois ou quelques années, puis ça arrive chez nous. Mais à un moment donné, c'est une réflexion que je m'étais faite sur Facebook, parce qu'il y a un gars qui s'appelle, si vous voulez aller voir son profil, Jonathan Sturel, il s'appelle, il écrit des statuts de temps en temps. J'ai entendu parler, oui. Ouais, ouais. Un mec un petit peu ovniesque, un mais peu néanmoins louche, intéressant. Mais on l'appelle l'avenir. Je me faisais la réflexion suivante, je me rappelle que moi j'étais gosse, ou adolescent en tout cas, mais même gosse, je voyais des séries à la télévision qui étaient des séries américaines, entièrement noires en fait. Le Prince de Bel-Air par exemple, il y avait notre... Comment ça s'appelle Steve Urkel là, comment ça s'appelait ça? Oui, Steve Urkel, bah, famille quelque la chose. Vie de famille. La vie de famille. Et je me dis, en fin de compte, il a existé des expériences noires dans l'audiovisuel et dans le monde de la culture, notamment aux États-Unis. Je ne comprends pas comment on a pu passer d'une période qui était les années 80-90 où les Noirs étaient très représentés et ils avaient même leur propre série où il n'y avait que des acteurs noirs. Il n'y avait aucun problème. À une époque où, alors qu'on n'a jamais vu autant de Noirs dans les productions audiovisuelles américaines ou françaises, subitement, on nous dit que finalement ils sont discriminés, on les voit pas assez alors qu'on n'en a jamais vu. Mais je vous ai donné la réponse, mon cher Jonathan. La gauche est une maladie mentale qui fait sécession avec la réalité. Tout simplement. En fin de compte, si vous voulez, mon analyse, entre guillemets, ce n'est pas les mouvements. Alors je dis pas les noirs. C'est aussi grâce au talent d'Omar Sy. Il y a quand même des grands acteurs noirs aujourd'hui. Je pense à Omar Sy qui joue très bien la comédie. Ça vous a pas échappé? Oui. Moi, je voulais aller voir le dernier film avec Harrison Ford. Là. J'ai eu avec qui partager l'affiche. J'ai dit non, c'est bon, c'est pas possible. Avec qui? Bah vous verrez. Voilà. Ah bon? Avec Arsène Lupin. Avec Arsène Lupin. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc. Oui. Je boycotte ça. C'est pas possible quoi. Oui, ça va sortir bientôt d'ailleurs. Me parlez pas de malheur. Mais on reparlera d'Arsène Lupin, mon cher Jonathan. Alors à tout hasard, Victoire, est-ce qu'il y a des questions là? Oui. Question. Bah merci à Marwan Alami pour son don. Conseil de livre pour instruire des élèves de 8-10 ans. C'est compliqué, parce que 8-10 ans, est-ce qu'on lit vraiment beaucoup à 8-10 ans? Oui, quand même. Ah bah, parce que toi, t'as une bonne éducation, ma chère Victoire. Moi, à 8-10 ans, je jouais à la Mega Drive, vous voyez. Donc, bon. 8-10 ans, bah, les livres les plus faciles à lire, dont nous avons parlé, mon cher Jonathan, c'est les Jules Verne. Oui, les Jules Verne. Peut-être certains Lupin, vous voyez. Mais à 8-10 ans, il faut commencer à lire le catéchisme, surtout, hein. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas la lecture de Lupin à un gamin de 10 ans. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. Un peu tôt. Ouais, c'est tôt. Et puis surtout, c'est un peu ambigu, Arsène Lupin. Il est quand même du côté des... Il reste quoi? Il reste oui-oui Déjà, Jules Verne, je pense que les gosses de 8 ans, 8-10 ans peuvent y aller. Quoi. Ouais. Moi, j'ai un neveu qui n'en a que... Bah, qui en a 8, justement. Et je lui ai acheté des Jules Verne, là, récemment. Quoi. Ah bah, bravo. Et puis un autre petit pour se détendre, Germinal de Zola, pour lui montrer que la vie, ça va pas être facile. Ouais, alors ça sera dans quelques années, parce que pour lire du Zola, c'est compliqué, quoi. Je veux qu'ils comprennent que ça va pas être facile. Je comprends. Est-ce que t'as d'autres questions, Victoire? Question d'Azwin. Qui est le véritable prétendant héritier au trône de France, selon vous? Il n'y en a pas pour l'instant. Si demain il y a la monarchie, c'est parce que les circonstances auront généré un nouveau roi. Mais Orléans et pseudo-Bourbon ou véritable, franchement, la page est tournée. Hein. La page est tournée. Question de Robin Baptiste. Pensez-vous que le 15 de France va remporter les Six Nations? Alors écoutez, le 15 de France, qui n'était plus que le 9 ou le 8 de France ces dernières années, est en train de redevenir plus ou moins le 15 de France. Et les résultats reviennent. Donc après, moi, j'ai pas de boule de cristal. Hein, mais en tout cas, je le souhaite, parce que moi, je souffre hein, vraiment de cette décennie noire qu'a vécu le 15 de France. Hein. Ça a été très, très dur. Bon, il y a eu une finale de Coupe du Monde. On ne sait pas encore comment on a fait pour y arriver. Hein. Mais contre les Blacks qu'on a perdu. Mais concrètement, moi, quand j'étais jeune... Je veux dire, là, on gagnait quasiment tous nos matchs dans le tournoi destination, quoi. Hein. Sauf contre les Anglais de temps en temps. Mais là, vraiment, il y a eu une baisse de niveau. Il y a eu une doménéquisation de l'effectif. Je ne sais pas si c'est un lien, mais voilà. Enfin bref, voilà. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, je suis content de voir que le 15 de France commence à renouer avec le succès. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Bon, bah écoutez, mon cher Jonathan, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter?
Moi, j'ai quelque chose à ajouter après. Oui. Allez-y. Après l'émission sur Jules Verne, il y a eu un bug. Oui. J'ai déjà dit, mais je le répète parce que je tiens cette émission. Il y avait eu un bug. La dynamique en termes de diffusion de l'émission a été cassée. Voilà. Parce qu'elle n'a pas été disponible pendant 48 heures quasiment sur YouTube. Donc vraiment, j'invite les gens qui ne l'auraient pas encore eu, cette émission, j'invite ces gens-là à aller la voir, cette émission sur Jules Verne. Elle est vraiment bien, c'est une bonne émission refrancisante, sympathique. Donc n'hésitez pas à y retourner. Et d'ailleurs, les émissions sont du structurel en quelque sorte. Hein. Donc allez revoir les émissions sur le curé d'Ars, sur le cardinal Pi. Ma foi, ça fait pas de mal. Voilà. Voilà. Mon cher Jonathan, toujours pas de mot final ? Bah si, le mot final est inévitable, c'est pour ceux qui voudraient, j'espère qu'il y en aura quelques-uns, lire Le Mystère de la Chambre Jaune, bon évidemment extrêmement réédité, enfin vous le trouverez en poche n'importe où. Oui, oui, tout à fait, c'est un grand classique, hein, Le Mystère de la Chambre Jaune. Hein. Moi, mon édition à moi, là, c'est le livre de poche, je regardais ça hier, réimprimé et réédité en 2018, il y a encore 2 ans, on ressortait une édition de... C'est très connu, c'est incontournable, vous le trouverez facilement. Bah moi, j'invite les gens à se le procurer dans la vieille version du livre de poche, bah, avec la bonne odeur du livre, car comme disait Jules Renard, l'haleine du livre qu'on ouvre, vous voyez. Et moi, j'aime bien ces livres dont le papier, vous savez, a une petite odeur, vous voyez. Ça sent le passé, oui. Ça sent la France d'autrefois. C'est un élément très important, et malheureusement, nous, avec notre papier glacé, on ne pourra pas en dire autant, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai. Et du coup, ça me permettra de répondre à une question que j'ai vue passer dans le chat. ce que je regarde, je jette un petit œil. Il y a quelqu'un qui se posait la question, je crois. Mais je crois qu'on a été coupé, là, en fait. Non, je vous entends. Ouais, d'accord. Qui posait la question de savoir s'il était préférable, enfin, si on préférait lire sur le papier ou sur les tablettes, là, les Kindle, les choses-là. Bah voilà, pour ceux qui lisent sur les Kindle, bah, y en a, quoi. Mais ça remplacera jamais pour moi le contact. Ah ouais, bien sûr. Quasiment fétichiste, quoi, du papier, du contact du papier, alors, de l'odeur du papier, de l'encre, quand ça a vieilli un petit peu, c'est encore mieux. C'est génial. Moi, j'ai jamais, absolument impossible pour moi, je ne suis jamais passé sur la lecture électronique. Ça n'arrivera jamais, d'ailleurs. Jamais, rien ne remplacera pour moi le livre papier. Bien sûr. C'est un objet. Hein, je dirais même que c'est une présence. Ouais, c'est une présence, ouais. Puis d'ailleurs, j'aime bien posséder mes propres livres. C'est pourquoi je ne suis abonné à aucune médiathèque ou bibliothèque. Parce que si c'est pour les lire et les ramener, moi je les achète, je préfère les avoir, quoi. Ça fait partie de... Ouais, y a des gens qui aiment avoir des tableaux au mur, ou... Moi, c'est des livres, mais je pense que ceux qui ont commencé à emmagasiner des livres comprennent ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, ceci posé, moi, malheureusement, je suis contraint de lire énormément de livres en PDF, notamment tous les livres de théologie que vous trouvez sur Saint-Libert. Par la force des choses, ma foi, on est contraint d'eux. Hein. Ça, c'est... Bah, il y a des livres qui sont absolument trouvables, enfin, trouvables ou très difficilement trouvables. J'ai lu un livre, pareil, en ligne... Récemment, c'était de Jean Coste, de Charles Péguy, parce que vraiment, j'arrivais pas à mettre la main dessus, ou alors il fallait que je lise très vite, je sais plus. Je pouvais pas me permettre d'attendre de le trouver sur eBay, de me le commander, de machin, etc. Je crois que je l'ai, moi. Je vous l'offrirai. En papier ? Ouais. Version Gallimard. En Gallimard ? Ouais. D'accord. Ça vous embouche un coin, ça. Hein. Non, bah oui, bah, chez Gallimard, je savais pas. J'aurais préféré l'édition Cahiers de la Quinzaine. Ah zut, effectivement, ouais. Mais là, à mon avis, il faut dépenser plus, là. Ouais, mais sinon, autant que je peux avoir le livre en papier, même s'il y en a qui sont difficiles, quand je voulais me procurer les œuvres de Louis de Bonald, c'est vraiment balèze de les trouver en papier, ou alors à des prix prohibitifs. On reparlera de Louis de Bonald, parce que l'abbé Rioux a fait rééditer des textes de Bonald qui la notent. Ah ouais ? Donc, j'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais on en dira peut-être un mot donc à la prochaine émission. Et d'ailleurs, on peut trouver cet ouvrage sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, comme je radote, mais bon, il faut, à vous procurer leur ouvrage 60 ans de religion conciliaire, qui est vraiment un très 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 bon livre. Et puis si vous l'avez déjà, faites tourner. Pour la cause, ça fera pas de mal. Alors à tout hasard, ma chère Victoire, avons-nous une nouvelle question ? Oui, une question de Patrice Baguel. Est-ce que vous allez faire une émission sur le cinéma français ? Non, je pense pas, non. Non. Moi, je sais, j'ai pas de culture particulière en la matière, donc je laisse faire les pros. Je laisse faire les pros en la matière. Voilà, écoutez, dans ces cas-là, nous arrivons au terme de l'émission. Alors, je radote et je vous rappelle
que le 21 mars prochain, dans le 17e arrondissement, se tiendra la fête des Amis d'Alain Pascal, qui est une réunion d'auteurs qui vont venir dédicacer leur ouvrage. Donc vraiment, je vous invite à venir. Ça vous permettra de voir des gens normaux et de voir un certain nombre d'auteurs de qualité, parmi lesquels, d'ailleurs, justement, Alain Pascal. Alain Pascal, j'espère votre serviteur, Paul-Étienne Pierrecourt, Pierre Joly, etc. Enfin, voilà. La liste, M. Pierre Thiron, je crois, vous l'a montré en début d'émission. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on arrive au terme. J'ai une question. Ouais, dites-moi. Là, je vois le flyer. C'est écrit 111e édition, c'est ça qui est écrit ? Troisième. Non, troisième. Ah, troisième. Ah, bah, d'accord. Ah, bah, je comprends pourquoi vous voyez Rouletabille. D'accord, ok. Je comprends mieux. Non, Rouletabille est vraiment grassouillé. Mais là, je voyais écrit 3-1. Ah bah, c'est un 3 grassouillé aussi, alors. Non, c'est disais, la troisième édition. C'est la 111e édition, ça me paraissait. Non. On a commencé en 2018. Enfin, c'est Alain qui a lancé ça en 2018. Et c'était vraiment un moment vraiment chaleureux de convivialité française, hein, vraiment. Toutes les générations sont là, donc ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc les bonnes âmes, françaises et catholiques en particulier, sont conviées à la fête des Amis d'Alain Pascal, donc le samedi 21 mars. Voilà. Bah, je remercie Victoire et Pierre de Tirmont, hein, de nous avoir assistés. Merci Adrien. Parce que c'est un travail d'équipe, hein, je répète, hein, Radio Athéna. Si vous avez des sous, n'hésitez pas aussi à alimenter le Tipeee, ça fait pas de mal. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis donc à dans 2 semaines pour un rendez-vous de la réaction. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.